them screaming out your name. Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless to survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they're running to smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. They're written down in eternity. Things lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to touch a dream. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. Et coucou tout le monde, bonjour à tous, c'est Link et bienvenue dans ce nouveau live où on va jouer, comme vous avez pu voir, à Palworld, le jeu de Pokémon avec des flingues. Coucou Electronic Blizzard Earth, comment vas-tu? Voilà. Voilà, donc je suis très content de vous retrouver. Pour ça va, et bah c'est très bien si ça va. Moi je suis en vacances! Je suis en vacances pendant une semaine! Yes! Je vais plus aller voir mon boulot de merde, yes, je suis heureux. Et donc pour bien commencer les vacances, en étant totalement crevé et jouant à oh là, faut que j'apprenne à parler et à jouer comment ça s'appelle, à Pokéworld, Pokémon World, à Palworld. Oh là là, y a rien qui va. Je suis levé depuis 5h30, 4h30 comme d'habitude, donc ça part en live comme d'habitude, voilà. Donc vu qu'en plus on est vendredi, le live va durer un peu plus longtemps que 2h je pense, on verra bien, tout dépend de si le jeu me plaît. Si le jeu me plaît pas du tout, on partira, on fera la suite de Sleeping Dogs. Voilà, voilà. Donc je lance le jeu comme d'habitude, je n'ai rien préparé pour le jeu. Il est où Palworld? Tout ce que je sais, c'est que je l'ai installé, il fait une quinzaine de gigas et j'ai installé très rapidement. J'ai pas de raccourci, Super, je vais me le mettre. Hop. J'y joue grâce au Game Pass. Je n'ai pas acheté le jeu. J'y joue via le Game Pass parce que oui, il était disponible. Il est disponible dans le Game Pass. Et ça, c'est très très cool. C'est très 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 cool. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à changer ma carte bleue du Game Pass. Ma carte bleue se désactive à la fin du mois. Parce que bah,
Elle est périmée. J'ai ma nouvelle carte bleue, je n'arrive pas à changer de carte. Tout va bien. Donc, à la fin du mois, j'ai plus de Game Pass. Donc, soit bah, faut que j'arrive à trouver le moyen de changer ma carte bleue, le code, enfin le truc de ma carte bleue. Soit plus de Game Pass. Tant pis. Et donc, je pourrai plus jouer à Palworld. Ou alors, je me l'achèterai. Mais actuellement, j'ai plus de thunes. Aïe, 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 rien qui va. Link est pauvre. let's go, je vous mets le jeu. Si j'arrive à trouver comment on fait. Déjà, je sais même plus comment on fait. Comment on fait un live déjà? Palworld, il est là, hop. Le son du jeu, son jeu, tac. Hop. Palworld, tac. Directement sur Internet peut-être. De quoi faire des lives, ouais, je pense si je me rappelle bien, c'est direct sur Internet. Je suis pas sûr. Mais voilà, yes, le jeu s'affiche. Oh là 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 là. C'est trop bien. Je sais pas si niveau son ça va. C'est mieux comme ça déjà, vous entendez le son. Pourquoi il est si faible? Vas-y, option. Son. Voilà. C'est à 100%, ça doit être un peu mieux. Bah, pour ta carte, voilà, j'y suis allé, mais il voulait pas. Oui, je veux appliquer tout ça. Donc, niveau son, bah. Voilà, je suis au maximum de tout. J'ai essayé via internet et. Il veut pas. Il veut pas que je la change. On verra bien. Je verrai à la fin du. Quand ma carte sera désactivée. Il va me mettre un petit mail, je pense. Ah bonjour, votre carte est désactivée. Allez, on va commencer une nouvelle partie. On va l'appeler par mon nom. Enfin, par mon pseudo, voilà. Hop! Multijoueur. Non, je veux pas de multijoueur. On va jouer en normal. Normal, paramètres de jeu équilibré, équipement et matériaux laissés sur place en cas de mort, genre difficile, c'est quoi? XP reçu, chance de capture, vitesse de collecte des matériaux et vitesse d'éclosion des œufs réduite. Oh putain. Dégâts subis par le joueur accru, des dégâts infligés réduits. Tous les objets et pales laissés sur place en cas de mort. Ah, l'objet et pales. Ah ouais, les pales, c'est les Pokémon. XP reçu, chance de capture, vitesse de collecte des matériaux et vitesse d'éclosion d'œufs élevée. Combat facilité, aucune pénalité en cas de mort. On va jouer en normal. Et sinon, on peut faire du personnalisation. Oh là là, oh là là, oh putain, mais la personnalisation, c'est un truc de ouf. Ah ouais, peine de mort. Oh là là. Ah ouais, non, mais on va rester en normal. On va rester en normal, j'ai pas envie de tout faire là. On va confirmer. Ouais. Vas-y, let's go! Let's go, rentrons dans le jeu. Ça va être trop bien, j'ai hâte de jouer, d'aller capturer des pales et de les utiliser pour en tant qu'esclave. Voilà, c'est le seul truc que je connais du jeu. C'est un jeu de survie. Il y a des pals. Tu les prends pour jouer. Enfin, pour construire la base. Et voilà, je ne connais pas du tout l'histoire. Le seul trailer que j'ai vu, c'est le tout premier trailer qu'ils ont sorti. En mode, regardez, on vous sort un jeu Palworld. Mais c'est tout. C'est le seul trailer que j'ai vu. Le reste, je me suis dit, ce jeu a l'air d'être un banger monumental. Je veux pas me. Je veux pas regarder. Je vais me laisser la surprise. Voilà. Il y a certains jeux comme ça où j'aime bien avoir la surprise de oh qu'est-ce que je vais avoir, sur quoi je vais tomber, tu vois. Il y a des jeux où je m'en branle. Par exemple, Mario Wonder, je l'ai fini, je l'ai acheté à Day One. Mais je m'en foutais d'aller voir, de regarder les trailers pour Mario, par exemple. Mais pas loin, je me suis dit, si je peux le découvrir par moi-même, ça peut être sympathique. Bon, le chargement, il est très long. Allô, le jeu? Allô? Le jeu est mort. Voilà. C'est comme aussi aujourd'hui. Il y a mon Modo Pika qui fait un live sur Another Code. Parce qu'il est sorti aujourd'hui et c'est l'un de ses jeux préférés ou même son jeu préféré. Et comme bah, il est ressorti en remaster, le 1 et le 2 ils l'ont ressorti en remaster sur Switch, bah, il est en live actuellement. Et ce jeu, j'ai juste vu qu'ils avaient annoncé ce jeu. J'en avais entendu beaucoup de ce jeu en disant que c'était un putain de banger. Et donc je venais regarder aucun live, aucun trailer, rien du tout. Donc je n'ai même pas été allé lui dire bonjour à mon modo qui live sur Another Code. Parce que j'ai envie de découvrir à mort ce jeu. Parce que je ne l'ai pas pu le faire quand il est sorti sur DS. Et vu que j'ai la Switch, je me suis dit, let's go, je vais me l'acheter. Alors je vais me l'acheter le mois prochain parce que comme je vous ai dit, je n'ai plus une thune ce mois-ci. Mais voilà.
Voilà. Et je raconte ma vie et le jeu n'est toujours pas chargé. Je pense que je sais pourquoi. Je pense avoir ma petite idée de pourquoi le jeu galère. Vous savez quoi? Attendez. Je vais faire un truc. Je vous mets la pause. J'ai quitté le jeu, je vais le relancer. Si je veux bien quitter le jeu. Alt F4, même le jeu a totalement planté. Allô le jeu. Oh, le jeu est mort. Le jeu est dead. Et je ne joue pas à Red Dead Redemption. C'était nul comme blague. Pas là, hop. On va faire un fin de tâche. Voilà. Et je vais baisser les graphismes du jeu. Je pense que ça sera un peu mieux. Je pense que ça sera mieux de faire ça comme ça. On n'a rien vu du jeu, on est déjà en galère à lancer le jeu. C'est trop trop bien. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ah, il faut que je m'achète des composants pour mon PC, c'est mort. Encore de l'argent dépensé pour le PC. Encore, c'est j'ai toujours pas. Ça fait depuis 2019 que j'ai le jeu, que j'ai le PC. Je n'ai toujours rien changé dedans. Mais je pense que ouais, le jeu est un peu gourmand. J'ai pas vu les caractéristiques du jeu. Donc, voilà aussi. Aussi, si je vais pas voir les caractéristiques du jeu. Ouais, après, je vous rappelle, le jeu est en early access. Donc ça se trouve. Parce que c'est en early access et tout. Graphisme. Je vais mettre en moyen. Je pense que c'est bien. Je pense que moyen c'est bien. On va recommencer, allez. Hop, je vous remets le jeu, tac. Hop, on remet. Hop, en normal, tout est bien, on confirme. Est-ce que cette fois-ci le jeu va charger? Ou alors le jeu est totalement mort et il veut pas jouer sur mon. Et je peux pas jouer sur mon PC. Et si c'est pas ça, bah, si c'est ça, on va aller. Alors si la musique crache un peu, c'est parce qu'il charge des trucs. Je pense. Sinon on ira sur. On continuera Sleeping Dogs, tant pis. Tant pis, tant pis. Et peut-être que je réessayerai de mon côté sans live ou sans faire de vidéo pour voir si le jeu se lance ou si c'est vraiment mon PC qui est pourri. Voilà. Hier aussi il y avait. Ah c'est bon, ça a chargé. C'est bon, c'est parce que ouais, le jeu il était en élevé, il aimait pas, je pense. Ah peut-être pas, j'en sais rien. Aïe aïe aïe, si c'est bon! Oh là là! Oh, on peut. Non, création de personnage! Rien de création de personnage! Trop bien! Si ça veut bien charger. Allô? Allô le jeu! Tape dessus! Allô le jeu! Le personnage apparaît. Allez, le jeu. Je pense que j'avais passé en bas là, les graphismes. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, je peux faire un truc s'il te plaît, le jeu. Ou le jeu est totalement en PLS. Sais quoi? S'en fout de la création, on va commencer direct la partie. Ah, attendez. Ça, c'est bon, ça rejoue, ça repart. Ah! Ah! Commence à voir un truc. Commence à avoir un truc. Ou pas. Oh, j'ai tout fait bugger. Non. Non, le jeu. Non. Des débuts difficiles sur Palworld. Très bon jeu. J'aime beaucoup. On s'amuse bien. On s'amuse très bien dans Palworld. Le jeu est dead. J'aurais dû voir les. Oula! Oh! Oh là, le monsieur qui est apparu, mais je sais pas pourquoi il s'est placé tout en haut, on voit plus sa gueule. C'est bloqué par le. Alors, on peut pas modifier le personnage. La modification de personnage. Ah! Oh, c'est bon! C'est fluide! Regardez, le jeu est fluide. T'as pensé à souffler dans la cartouche? Ah, peut-être, t'as raison. Attends. Je vais souffler dans la cartouche. Voilà! Ça a l'air de mieux marcher maintenant que j'ai soufflé dans la cartouche. Regardez ça. Wouhou!
C'est bon, c'est fluide. Le jeu a fini de charger. Donc, bon, on va prendre un monsieur, bien sûr. Voilà. Lui, il a une belle gueule. Corps. Ok, monsieur, dame, d'accord. Couleur de peau. On peut faire des couleurs personnalisées. Oh là là là. On va le faire comme ça. Regardez, c'est tout moi. Il me ressemble. Pas du tout. Taille de l'abdomen. Mais non! MDR! Non, attendez, attendez, attendez. Oh mon dieu, oh mon dieu. On va tout remettre à 50, c'est très bien. On va rester à 50. Et hop. Voilà, on va le laisser normal. Très bien. Visage. Oula! Oula, oula, oula. Oh, jeu de la barbe! Oh oui! Oh oui. Il est magnifique comme ça avec la barbe et tout. Alors les pu... Oh putain, il fait peur. La cicatrice et tout, ça fait badass. Hop. C'est comme... On peut lui mettre des yeux. Oh, mais avec les yeux bleus, comme moi. J'ai les yeux bleus, donc c'est moi. Hop. Ok, couleur des yeux, couleur des sourcils. Ouais, comme ça, c'est très bien. Cheveux. Ah, la petite coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'il y a comme petite coupe de cheveux? Ça me patoche. Oula, oula. Non. Pas des cheveux longs pour mec. Genre ça. Pas des queues de cheval. Ouais. Oh, stylé. Je pense que je vais prendre cette coupe-là. Voilà. Cheveux noirs. Voilà. Barbe noire. Non, barbe comme ça, c'est très bien. Voilà. Comment vous trouvez mon petit bonhomme? Bah, je dézoome. Ah, je peux pas dézoomer, d'accord. Ah, on peut lui choisir une voix. Va prendre la 6, elle est bien. Ok, on va prendre la 6, c'est très bien. Et donc, commençons la partie. Créer un personnage, je vais commencer une partie. Le personnage ne pourra plus être modifié une fois la partie lancée. La modification de personnage sera intégrée lors d'une prochaine mise à jour. Ok, bah suivant, suivant. Let's go! Oh, le jeu qui va... Attention, on est reparti pour des bugs du jeu, je pense. Ou pas. Oh! Oh, y a les Pokémon! Oh, c'est trop mignon. On est sur une plage abandonnée. Enfin, abandonnée, une plage déserte. Oh là 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 là. Qu'il est beau, mon gars. Oh, petite tablette. The towers are the key. La tour est la clé. The tree holds the true. L'arbre a la vérité. Un truc comme ça. Oh, petite cinématique pour se mettre dans l'ambiance. Oh, let's go! Le bois de charpente s'obtient en ramassant des branches ou en secouant les arbres. Oh, c'est le tutoriel! Ok, donc on a monté ça. On peut courir, on peut courir. Oh, on a une barre d'endurance et tout. Le jeu est beau! Malgré que je sois en moyen. Oh là là. Je sais pas comment vous trouvez le jeu, mais moi je le trouve beau. Allez, on va aller secouer des arbres. Colline venteuse! Bonjour! Où est-ce qu'il y a des arbres que je peux survivants de l'expédition? Niveau 3, c'est ça, il est? Faut pas que je peux aller le voir ou il va me tuer. Ah, il y a du bois. Bois de charpente, F. Yeah! Ouvrez le menu, option avec ESC et consulte les guides de survie. Allez, vas-y. Guide de survie, hop là, blablabla, blablabla, voilà, c'est fait. Appuyez sur la touche B pour ouvrir le menu construction. Sélectionnez établi de fortune, puis choisissez un emplacement sur lequel construire. B, établi de fortune, il me faut deux bois de charpente et j'en ai deux. Ok. On joue à Minecraft. Vas-y, si on faisait notre petite base ici, ça peut être bien pour commencer. Hop! Approchez de l'emplacement construire établi F pour commencer la construction. Maintenir construire. Ok, il faut maintenir F. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Level 2! Yeah! Ouvre l'écran de technologie dans le menu et débloque sphère de pâle. Technologie. Hop. Sphère de pâle. FR texte, oui.
Comment j'ai pu le truc alors que je n'ai pas de... Ah non, parce qu'il faut un point, ok, il faut un point, et donc j'ai pu avoir le point, et donc pour... Donc ok, il me faut un point. Là j'en ai 0, je pense. Si j'en ai 5. Je dois avoir un point pour utiliser ça. Par exemple, pour mettre ça, je dois avoir un point. Et pour obtenir une fer de soie, il me faut un éclat de palladium, 5 bois de charpente et 5 pierres. Ok, je comprends. Fabrique sphère de pal. Bah, pour construire sphère de pal, il faut déjà que j'ai ce qu'il faut. Genre de la pierre. Salut toi! C'est qui? Ah bah, alors tu en es en extérieur, je te savais, parce que tu ne sens pas le pal. Tu risques de mourir si tu prends les choses à la légère. Tiens, prends ça et va vite te fabriquer une arme. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Du 10 bois de charpente. Merci beaucoup, madame. Oula, il y a des pales en dessous. Il y en a même un là, il y en a là. Vous avez bien les pales? Est-ce qu'on peut les taper? Ah oui, on peut les taper si on veut. Parce que je vais pas les taper, ils sont mignons. Oh, j'ai du bois de charpente. Ok, en tapant sur les arbres, on peut avoir du bois de charpente. Ok. Ok, ça c'est cool. Oula, vas-y, grimpe. Ok, il y a un système de grimpette. Et d'endurance aussi, mais ça on l'a vu tout à l'heure. C'est quoi ça? Œuf mouillé. Ah, il faut une écloserie, ok. Ils ont mes points de vie. Let's go. Il manque quand même toujours l'éclat de palladium. Je pense que je vais quand même faire des... Il faut que je me trouve de la pierre. Comme ça, je me fais une hache et je peux péter les pierres avec. Non, je suis tombé. Je peux pas remonter. Ah si, je peux peut-être remonter là-bas. Pierre, hop. Hop, bâton. Pas de pierre ici. Mais moi je veux de la pierre, s'il vous plaît, le jeu. Le jeu est méchant, il n'y a pas de pierre. Je veux des pierres. Il y a un œuf là-bas. Il y a un truc là, il y a de bois de charpente. Il y a une pierre là, hop. Parce que c'est bon, je peux me piocher. Je peux me piocher. Je peux mettre une pioche. Enfin, je peux faire une pioche. Comment je construis? Faut peut-être aller vraiment à l'établi. Si j'arrive à retrouver l'établi. Let's go! Ok, il est déjà perdu, c'est pas comment on joue. C'est quoi ça? Débloque le voyage rapide. Vas-y. Ah. Comment ça, aucun objet dans la liste? Oh, la carte! Ah. Ok. Comment ça, aucun objet dans la liste? On comprend pas comment on utilise le... Allez, regardez! C'est le Pydex. C'est les pales que j'ai rencontrés dans le jeu. Enfin, depuis le début du jeu, il y en a 111. Et c'est quoi celui-là? Ah ouais! Inventaire. Vas-y, on va faire ça, on va activer ça. On va déjà activer toute la première truc. Ah, il en faut deux, bah j'en ai deux, c'est bon, hop là, let's go, on a tout découvert. Mais comment on fait pour crafter? Oh, c'est une sphère, ok. Ah, mais B construction, un bois de réparation. Ah, attendez, attendez. Boîte à pales. Ouais, mais moi je veux faire une pioche. Je m'en fous de tout ça, moi je veux faire une pioche. Sauf que l'établi ne me sert à rien pour l'instant. Requis travaux manuels. Comment ça?
Requis travaux manuels. Le mec il est déjà perdu. Attendez, vous savez quoi? Guide de survie. Construction. Fabrication. Construire un établi entre autres et interagir. Bah ouais. Après, bah les couilles. Bah, il faut l'établir. Ah, choix de recette F. Mais pourquoi y a pas activé avant? Maintenant, il y est. Vas-y, fais ça. Lancer la production. Et maintenant, il faut travailler. Parce que je n'ai pas de pags pour travailler. Ok. Putain, c'était compliqué. Mais obtenir. Mais non. Ah, mais c'est parce que. D'accord, ok, il faut vraiment. Ouais. Allô? Oh là là. Y a un bug avec l'établi. Je peux pas récupérer mon truc là, allez. F, obtenir. C'est vraiment un peu buggé, un peu les. Est-ce qu'on peut taper ça pour récupérer de la pierre? Pas du tout. Où est-ce qu'il y a de la pierre que je peux frapper? Pour récupérer de la pierre, bien sûr. Non. Parce qu'il me faut quand même du palladium là, mais je sais pas comment on en a, le palladium. Non, je peux pas casser ça. Un œuf, bah, vas-y, prends. Des baies rouges qui vont peut-être me permettre de manger. Non. J'ai une nouvelle construction, comment ça, non? Il me dit la merde. Tac tac tac, on récupère. Hop hop hop. On me fera des trucs à graille comme ça. Pensez à manger les enfants, c'est important. Peut-être ça, je peux casser avec ma pioche. Ah yes! Allez des pierres! Let's go des pierres! Allez, on récupère plein de. Oh, il y a 4 palladium! Je vais pouvoir me faire ma Pokéball! Bientôt! Pour me faire une Pokéball! Ok, les éclats de palladium, on les a en cassant les pierres, ok. Ok, maintenant je le sais. Maintenant, faisons l'établi buggé. Voilà, choix de la recette. Hop! Lancer la production. On maintient pour que ça se crée. Hop là. Et on obtient la pale. Voilà. Est-ce que je peux me faire une hache? Oui, bah oui, let's go, on fait la hache aussi. Hop. Attaque les packs pour les affaiblir et lancer pour les capturer. Est-ce que j'ai pas un truc torche à portée, batte en bois? Faudrait que je fasse une boîte en bois. On va faire déjà un. Ça aussi pour faire du feu. Ça peut être sympa. Hop. Hop, on obtient. Et ah oui, ça fait automatiquement du feu, d'accord. On va aller couper du bouet. On va faire le. Ah, j'ai gagné du textile. Du textile. Est-ce qu'à un moment l'arbre il casse ou pas du tout? Il casse l'arbre. Ok, ah, plus d'arbres. L'arbre n'existe plus. Et là, je peux me faire une boîte en bois. Yeah! Allez! On fait la petite boîte en bois et on va taper les Pokémon, les pales. C'est pas des Pokémon, les pales. Hop! On obtient. Hop! Ils sont où les pales? Il y en avait là qui se promenait, il est où? Ils sont où les moutons qui se promenaient? Petit mouton, où te caches-tu? Pourquoi il n'y a plus de pales? Là-bas, il y a un mouton. Allez! Viens ici que je te tue le mouton!
raté. Voilà, lance la pale. 97% de taux de capture, 96% de taux de capture. Allez, 98. Chance de capture, 100%. On a notre premier pal. Appuie sur E pour appeler un pal capturé. Oh là là, y a mon pal. Regardez ça, j'ai mon premier Pokémon. Il revient ici. Oh, j'ai mon premier Pokémon. Il va bien. Est-ce qu'on peut le... Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux jouer avec moi, c'est ça? Ah, il a un niveau supérieur à moi, il est niveau 3, je suis niveau 2, donc c'est pas bien. Merde. Reviens ici, merci. Mais non, je veux que tu reviennes. Reviens. Je veux pas. Je confonds la touche E et la touche F. Ah non, je suis niveau 3. Je pense, je sais pas. J'ai pas vu. Ok. Construis une boîte à piles. Boîte à piles. Je peux la créer, yes. On la met où? Je pense qu'on va la mettre là. Ça va être mon camp ici, je pense. Je chevauche un autre objet, quoi. Ah, bon, on va se mettre en bas alors. C'est quoi, on va se la mettre en bas sinon? Voilà, on va se mettre la base ici. On va mettre la petite boîte ici. Ah, oh, je suis désolé, attendez, je vais voir si je peux pas. Dans les options, mettre en faible. Sinon, ça va continuer à laguer, ça va être chiant. Ah, oh, super, le jeu qui bug pour afficher les options. Bah, voilà, hop. Hop. Tant qu'il change le truc. Aïe aïe aïe. Même pour changer les graphismes, le jeu est en PLS. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais le jeu est cool. Le jeu a l'air très cool. Alors après, j'ai joué à peine une demi-heure. Donc je peux pas me faire la vie en mode c'est le meilleur jeu de 2024. Nanana. Mettre les jeux de survie avec un jeu d'attaque de où il faut attraper les monstres, je trouve ça fou. Ok, le temps que le jeu recharge tout, voilà. Allez, on va construire notre boîte à piles qu'on a dit qu'on allait poser ici. Voilà. Ah nanana, et on construit après. Let's go. Allez. Et on a notre camp. Hop. Accède à la boîte à pales pour appeler les pales de ton choix sur le camp. F. Ah, et on peut faire pales sur le camp ici. Paf. Regardez, maintenant il va. Maintenant c'est un esclave. Commande de nourriture. Faut que je consomme de la nourriture, c'est ça? Ah oui, c'est parce que je suis à 51. Ah vas-y, mange. Comment on fait pour bouffer la nourriture ici, non? Bah, utilise pour rien. Les pales sans lit sont de mauvaise humeur. Ah, il me faut un lit. Ah, c'est comme ça. Voilà, j'ai bouffé. Hop, merci Bing. Lorsque ton niveau augmente, appuie sur la touche tap pour ouvrir l'inventaire et renforcer le statut du joueur. Technologie. J'ai 6 points. On va faire un lit de fortune déjà parce que les pales ont besoin de lit, m'ont dit. Un arc, ça peut être sympa, mais ouais. Et donc les flèches en même temps. Tissu. Vas-y. Voilà. On a mis tous les points qu'on pouvait. Capture 5 lamballes. Capture 30 pals.
Alors, je vais créer un lit pour le Pags. Ah, j'ai pas de... Il me manque du bois de charpente. Tiens, 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 tiens. Ah mais j'ai plus de Pokéball, merde. Putain, mon pote. Ah, mon pote, il est là-bas. Aïe, enfoiré, va. Dégage. Non, ça, c'est mon pote qui essaye de me sauver. Il est pas mort. Ah non, c'est l'autre qui m'attaque. Dégage! Oh! Ils sont chiants ces passes! On va prendre un peu de pierre. Des éclats de palladium, c'est très bien de palladium. Je peux plus frapper le rocher. Ah, y a, on peut pas. Ok. Il y a une jauge de. De trucs là. J'ai changé ma. Mon endroit. Je vais voir si je peux pas détruire ma. Ce truc là. Ah, si, je peux détruire là. Parce que. Elle est au très mauvais endroit. Hop, ça dégage. Tant pis si je récupère pas mes. Que je vais le remettre dans mon camp, le truc, ça sera mieux. Ouais, mettre genre à côté de. Genre le mettre là. Tac. Hop. F, maintenir pour construire. Ping, ping, voilà. Comme ça. Comme ça, il faudrait que je me fasse... Je peux me faire ça. Je peux en faire deux en plus. Ah non, j'ai pas assez de bois, donc j'en fais qu'un. Et comme ça, on va continuer à capturer les lamballes. Hop. S'il y en a d'autres. Ah oui, il y a des lamballes là. Les gars, vous êtes sur mon territoire! Pourquoi il est mort ça? Ah, ils sont morts! C'est ceux qui sont morts! Et on peut les capturer quand ils sont morts ou pas? Pas du tout. J'ai perdu ma Pokéball? Oh non! Oh non, le jeu, t'as pas le droit! Oh, coucou Pika, pas de soucis, pas de soucis. Oh, j'ai perdu ma Pokéball. Fais chier. Mais ta gueule, toi, le mouton, là. Bon, allez. Il me faut du bois aussi. On va récupérer du bois, allez. Malgré qu'il fasse nuit. J'ai une torche. Tout va bien. Ça va plus bien. Non mais prends le. Voilà, prends la hache et on récupère du bois. Allez, let's go, let's go, let's go. On coupe le bois. Yeah. Oh bah, il n'y a plus d'arbres. Vas-y, on remet la torche pour qu'on voit un truc, pour que vous voyez quand même quelque chose. Putain, les pales, ils. Oh, ta gueule! Merde! Je suis perdu. Où est ma. Va être là-haut, ma truc. Putain, le mec il est déjà paumé. Il s'est déjà paumé. Ok, c'est ici. Il trouvait plus. Je trouvais plus mon endroit où c'était. Enfin, oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse un lit. Allons faire un lit. Sinon, il y a une mauvaise humeur. Hop. Le lit, où est-ce qu'on va le placer?
Ah, l'intérieur! Merde, il faut faire une base! Ok, j'ai compris, j'ai compris. Pour faire une base, construction. Base en bois. C'est quoi? On va faire un petit truc sympatoche. Hop, on va mettre un deuxième. On va faire un truc à 4 pour l'instant. Level 4! Mur en bois. Tac. On va mettre quand même une petite fenêtre. Hop. Alors je suis très nul en construction dans les jeux vidéo, je vous dis. Hop, un truc avec fenêtre. Tac. Hop. Il n'y a pas un truc avec porte. Voilà, ici. La porte, on va la mettre là. Hop. Là, on va mettre un mur en bois. Non, je voulais pas faire ça. Hop. Et mur avec fenêtre. Voilà. Maintenant, le toit. Ah bah, j'ai plus de matériaux. Ouverture de porte. Et on va aller chercher du... Oh non, j'ai froid. Oh, j'ai froid. Je vais mourir, il a froid, mon perso. Je vais remettre ma torche. Attends, je finis juste de couper le bois et je remets ma torche. Voilà. Il a plus froid grâce à la torche, il se... Mais pourquoi il grimpe, ce con? Et là, on peut faire le toit. Toit incliné en bois. Ah. Merde. Vas-y. Non, comment ça fonctionne? Ok. Un visiteur semble s'approcher du camp. Quoi? Hop. J'ai mis du mauvais côté. Merde. Quel visiteur? Je peux le casser, ce truc? Non! Je vais pas péter ça. Sais pas ce que... Je tape. Je vais reprendre la flèche à truc, sinon je vais mourir. On va remettre le mur en bois. Je suis galère à faire un truc. Comment on fait pour faire tourner? Voilà. Faut pas que ça soit de ce côté. Peut-être que si, attendez. Oh, je sais pas. De faire des trucs bien, on va faire un toit en bois comme ça et puis terminer. Ouais, ils vont pas casser les couilles, on va faire ça. Et ça serait très bien. Et si les pags ils sont pas d'accord, et bah ils vont se faire foutre. Voilà notre belle maison. Maintenant. Et comme ça on peut mettre des escaliers en bois et on pourra continuer à monter. Maintenant, mettons un lit. J'ai plus de ressources, trop bien. Est-ce que je peux me faire un feu de camp? Parce que comme ça, j'aurais pas besoin de mettre tout le temps ma... Manque du bois! Du bois, il manque toujours du bois! Tu peux allumer ça? Tu peux allumer ce truc, non? D'accord, je peux pas. Bon, fais gaffe, tu vas avoir froid, mec. Tiens, quelques secondes, pendant que je tape l'arbre pour récupérer du bois. Oh non, je suis à fond! J'ai trop de ressources! Tant pis, on est proche du camp, c'est pas grave. 313 sur 300. Il est cool ce jeu. En vrai, le jeu est sympa. Allez, le pal. Construction, on va pouvoir enfin construire un putain de lit de fortune. Qu'on va poser là.
Allez, construire. En 20 secondes, putain. C'est un jeu mobile, le truc. Mais je croyais qu'il pouvait travailler à notre place. Je comprends rien. Bah t'as un lit maintenant. Comment je peux mettre pour faire que ça soit lui qui soit là? On va dormir déjà, comme ça on sera dans le jour. Je vais voir si je peux pas me faire un petit feu aussi. J'ai plus de matériaux. Mais les Pags, je peux pas leur faire des... leur mettre des trucs aux Pags. Non, ok. L'établi, je vais l'enlever et je vais le mettre dans ma maison. Tant pis. Tant pis si ça nique mes ressources. Mais au moins, il sera dans la maison. Tac! Alors oui, mon Pags. Ah mais attendez, il va le construire à ma place. Oh là 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 là. Mais j'ai un lit là, pourquoi il veut pas? C'est-à-dire qu'il faut que je mette un deuxième lit. Mentalement instable, merde. Il est sadique. Merci! Est-ce que je peux le caresser? Porter? Ouais, je porte le Piles! Il faut que je fasse un deuxième lit, c'est ça? Je vais faire un deuxième lit, voir. Ah, j'ai jamais de ressources, fais chier. C'est la merde ce jeu. Il me faut des ressources. Des ressources. Joint d'arbre. Merci. Allez, toute la zone bleue, c'est mon camp, d'accord. Et là, je suis plus dans mon camp. Ok. Comprendo. Non, je peux rien faire, c'est des racines, je suis con. Il est con, il tape des racines! Une qui est con, il tape des racines! Il est débile. Allez! Plus d'énergie. On attend que l'énergie remonte. Et j'ai même plus de place dans mon inventaire aussi. Faudra que je me fasse un coffre, je pense. Plus de place. Je marche très lentement. Regardez ma belle maison. Elle ressemble à rien. La maison ressemble à rien. Coucou Boy Eric, comment vas-tu? Elle ressemble à rien la maison. Oh là là là. Allez, on avance. Doucement parce que j'ai plus. J'ai trop de. J'ai mis trop d'affaires dans mon inventaire. Oui, je sais que je porte trop d'objets, merci. Merci le jeu, j'avais compris. Oula! C'est quoi ce truc? J'ai envie de me le faire. Oh là là. Oh là là, le Pokémon éléphant. Faut que je me le fasse. Faut que je me le fasse. Oh mon dieu. Il y a un Pokémon éléphant. Déjà, je vais me faire un coffre. Ça, je pourrais stocker des trucs. Je serais pas obligé de marcher pendant... En mode... J'ai plus de place. Allez, construis le coffre. Non, il veut pas construire le coffre. Enfoiré, va. S'il y va. Mais il est où? Pourquoi il fait pas? Ah si, il le fait. Ah, il a buggy, il le fait de l'autre côté du mur. Regardez, il le construit à l'extérieur du mur. MDR. Est-ce que je peux l'aider? Ah, ça va plus vite. Tâche en cours construction d'un coffre en bois, trop bien. Ouvrir. Bah, je vais tout mettre dedans. Sauf, pourquoi il y a des graines de blé? Je stocke, je stocke, je stocke. Je vais tout stocker pour l'instant. Je vais me créer mes Pokéballs, comme on a dit. Peux en créer combien, max? Je peux en créer 3, ok. Et vas-y. Ça va beaucoup plus vite parce que le Palmed, et ça c'est bien.
Merci beaucoup. La boîte à packs peut être améliorée. Ok. Et maintenant, on va aller attaquer ce gros truc là. Je vais me faire défoncer, non? C'est quoi? 34! Ah oui, d'accord, niveau 34. Ah non, non. Non, 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 on va rester sur nos petits moutons de base. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Tiens, regardez. Il y a un Pyles là. Il y a un Kativa. Tiens! Comme ça dans ta gueule! Comment ça, aucune sphère? Pourquoi j'ai pas de sphère? Pourquoi j'ai pas de Pokéball? Ah, j'ai oublié de les récupérer, je suis con! Il y a quoi mon Pals? Pourquoi il est en rouge? Ah, je suis con, j'ai oublié de récupérer les Pokéball. Ah oui, il est parti attaquer le. 61% de chance de l'attraper. Allez, let's go! Let's go! Allez! On est à 89! Non! Connard! Oh l'enfoiré! Tiens! Prends ça dans ta gueule! 100% de chance de l'avoir, let's go! Yeah! Ça va toi? Ouvrir le menu 4. Ah ouais, mais c'est pas le bouton 4 pour ouvrir le menu. Mais le problème, c'est qu'on peut pas mettre. Commande. Possible cette touche. Mais que je. T'as pas droit. Si je fais W. X. C est déjà pris. V. B. Pourquoi B c'est impossible d'utiliser B? Bah N, voilà. Oui. Il est parti où le Pals? T'es où mon Pals? Il est là, il est là. Reviens ici, reviens ici, reviens ici. Mais pourquoi il a peur? Mais pars pas! Merci. Mais pourquoi il est parti? Je veux te parler! T'es mon poteau! Ça va pas enregistrer mes boutons? Au final, si. C'est beaucoup mieux de jouer à la manette, c'est ça, vous allez me dire? Parce que je peux pas ouvrir le truc. C'est quoi cette pierre? Ah, c'est pour récupérer des du palladium, ok. Ok, ok. Ouh, j'ai faim. Faut se nourrir un moment. Bah oui. Bah oui, Link, il faut se nourrir. Il va me récupérer du bois, ok, je comprends mieux. On va se nourrir des baies. Voilà. Et lui, il se soigne tout seul, ok. C'est quoi V, tâche? Construire coffre en bois, déployer pal actif sur le camp. Améliorer le camp. Niveau 2. Établi de fortune, lit de fortune. Hop. Construire boîte à nourriture. Let's go. Boîte à nourriture, c'est quoi ça? Ah oui, il faut faire mon camp. Je voulais faire mon feu de camp depuis le début. Je vais pas le mettre chez moi quand même, sinon je vais tout cramer. Je vais le mettre à l'extérieur, je vais le mettre là. Et je vais améliorer mes technologies. Ah, il est là le lit. Prenons-le, j'ai besoin de lit. Pour les pals. Vas-y, je vais te créer un lit. J'ai créé un lit à côté de moi. Ah, j'ai pas de. Il manque du bois. Va pas me récupérer du bois, ce con là. Choix de la recette. Vas-y, on va faire des baies grillées. Hop. Bon, bah, on va travailler nous-mêmes. Il veut pas travailler le Pals. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Tu veux pas travailler? Tu veux pas faire les plats à ma place? Parce que c'est long là.
Mais je gagne de XP au moins. C'est une bonne chose. Ah, allez, les petites baies grillées, ça va faire du... ça va être bon. Et après, on va récupérer du bois. Pourquoi il a un halo, mon Pokémon? Ouais, j'ai toujours appelé, je vais continuer à appeler ça des Pokémon alors que c'est pas des Pokémon, mais vous m'avez compris. Allez. On arrive à la moitié. 6 sur 11. Oh là 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 là. C'est long. Pourquoi le Palkia peut pas le faire? Peut-être qu'il parce qu'il a pas de bras. C'est un mouton. Donc peut-être pour ça qu'il peut pas faire la cuisine. C'est ce que je me dis. Oh, il est passé niveau supérieur, mon Pokémon. Que j'ai avec moi. Trop bien. Je sais pas pourquoi, mais il est passé niveau supérieur. Je lui ai même pas fait combattre, alors qu'on peut faire des combats et de Pokémon et tout. Je l'ai pas fait combattre. Allez. On y est presque. 9 sur 11. 10 sur 11. Après, on va aller par chercher du bois, comme j'ai dit. Let's go! Ah oui, il faut que je récupère. Hop là. Voilà, j'ai mes baies grillées. Récupérons du bois. Je sais pas où est-ce qu'il y a du bois, mais il doit y avoir du bois quelque part. Et voilà. Juste en dessous de ma base. Ça, c'est cool. Parce qu'on va faire le lit pour le pal. Sinon, il va être de mauvaise humeur. On va pas être content. Il va faire... Il n'y a plus de métier. Plus d'énergie. Aïe, 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 aïe. Ces jeux avec des barres d'énergie, c'est les pires. Ok. C'est quoi cette roche? C'est de la rouille. C'est du fer. C'est du métal. C'est métal. Heavy métal. Heavy métal. On a assez de métal, on en a 7, c'est très bien. Hop, bah saute. Hop là, hop là. Et là, on va faire le petit lit pour le Palkia. Tac, B. Lit pour de paille pour le Palkia. Ah, on peut le mettre dehors. Bah, vous savez quoi, il va dehors. Tu vois, je mets même à côté du feu, parce que je suis quelqu'un de gentil. Hop là! Il peut construire son propre camp ou... J'ai lu où mon connard de Palkia. Oui, il est parti, il va le faire lui-même. Regardez. Mais il a des bras, pourquoi il fait pas la cuisine? Il a des bras, le Palkia. Tonk, tonk. Vas-y, continue de faire ça. Moi, je vais continuer mes technologies. Bouclier. Oh! Lance en poussière. Oh! Bac, boîte à nourriture. Ah, c'est quoi que je devais faire déjà? Je sais que j'ai des missions dans la boîte à pals. V tâche. Construire boîte à nourriture. Bah si on veut une boîte à nourriture, faut créer la boîte à nourriture. Bois de charpente, il me faut. Ok. Et maintenant il a son petit lit, le pals, il est content. Faut encore du bois de charpente. Toujours ça qui me manque dans ce jeu, le bois. Du bois, toujours du bois. Ah, il y a des dégâts de chute! Au moins on le sait. Au moins on le sait qu'il y a des dégâts de chute. Allez. On coupe du bois. Parce que c'est vraiment trop bien. C'est qui gueule là? Oh! Il est où la poulet là? Il est où le Pokémon poule? Que je le défonce. Et que je l'attrape. Parce que le but c'est... Ah, ils sont là. Attention. Tiens, les poules! Prends ça, le poulet! Prends ça! Je pense que c'est bon, je peux l'attraper à 100%! 100% de chance de capture! Let's go! J'ai un de nos troisième Pokémon! Je suis level 5. J'ai un troisième Pokémon! Ok, donc qu'est-ce que je voulais faire? La boîte à nourriture! Hop. C'est pas ici.
Quand sur la boîte à nourriture. Ok, ça va être là-dedans. Nourriture, boîte à nourriture. On va le placer. On va le placer là. Hop. Vas-y, construis-moi le gars là. Le poulet, on va le mettre en tant que gestionnaire des boîtes à pags. Le poulet, tu vas aussi travailler. Comme tout le monde. Voilà. Oh, il est en train de dormir. Ah oui, il me faut un deuxième lit aussi, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il me faut un deuxième lit à pals. Va les mettre autour du feu, les lits quand même. On va pas être méchant, on va quand même les mettre dans le lit. C'est bon, il a été construit le. Regardez cette belle boîte à nourriture. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pour stocker de la nourriture. Ok. Mon œuf, pour l'instant, je vais le mettre là-dedans. Ça ne sert à rien. Ah, mais c'est vrai que j'ai du bois ici et de la pierre. Ah, mais ça doit être mes poteaux qui doivent le ramasser. C'est palladium, ça? Ouais, du palladium. Ok. Comme ça, les deux sont contents. Ils ont tous un lit. Tâche. Construire lit en paille. En paille. Ok, il m'en faut un troisième lit. Il manque toujours du bois de charpente. Est-ce que j'en ai... Ah, d'accord, quand c'est dans le coffre, c'est considéré... Ok, comme c'était dans mon inventaire. Oh, je prends feu! Merde, j'ai marché dans le feu, je prends feu. Bah, tout est normal. Au secours, je veux de l'eau, de l'eau, de l'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau? L'eau n'éteint pas le feu. Comment ça, si c'est bon? Putain. T'es chier. Salut toi! T'es niveau combien toi? Niveau 7? Non, je vais te laisser. Je vais te laisser. Faut que je truc 3 lits. Hop là! Le jeu il est beau en vrai en plus. Donc ouais. Arme cassée! Comment ça? J'ai plus d'armes! Ma hache est cassée. Faut que je le répare. Bah, allons réparer mon arme. Lui ça va, il m'attaque pas quand il me voit, ça va. Oh regardez, il y a la fenêtre! Il est tout mignon, il a la fenêtre! Mec, il devient fou. Il est où l'autre Pokémon? Il est où le poulet? Ah, mais pour créer. Pour. C'est en production. Banc de réparation, voilà. Prenons le banc de réparation qu'on va mettre là. Hop. Mon pal va le construire à ma place. Merci bien. Et là, je vais pouvoir me faire le troisième lit. Et là, le poulet. Poink, 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 poink. Allez, tu l'as bientôt fini, non? 10 secondes, putain. Est-ce que je peux lui demander au poulet de me faire du... d'aller me chercher du... tâche. Toi, là. Ok, il s'est parti dormir. Enfoiré. Tac, F, réparer un objet. Ouais. C'est réparé? Ah, c'est réparé. Ok. Ma hache est réparée. Hop là, maintenant tâche ici. Hop, on améliore le camp. Plantation de baies. Ça va être bien les plantations de baies, j'ai envie de dire. Hop. Comme ça, on se fait un petit champ. On va se faire le champ là-dedans, là.
Ah, mais toujours, toujours, toujours du bois qui manque. Oh là là. Mec, il devient fou. Parce que mec, il a jamais de bois. Et il faut que j'attrape 5 lamballes. C'est les moutons, mais sauf que j'en vois pas de moutons. Et j'ai plus de... J'ai plus de Pokéball de sphère. L'heure de faire de la déforestation. Ah, et ça va directement dans le coffre, et ça c'est cool. Quand t'as un matériau dans le coffre, il va directement dans le coffre. Je trouve ça très cool, en vrai. Et en coop, le jeu doit être très sympa en coop. Merde, je voulais pas faire ça. Reviens ici, s'il te plaît, merci. Je vais récupérer le bois de charpente. Il est de retour, lui. Gros mammouth, là. Ok, let's go. Ouh, c'est grand. Je m'attendais pas à ce que ça soit si grand. Bon, on va faire là. Faire une petite plantation là. Je vais en créer deux. Quoi? Plus de maths trucs? Comment ça? Ah, j'ai plus de pierre. Super. 30 secondes, let's go. Twink. 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 Ah, il va venir m'aider. C'est bon. Le temps qu'il arrive. Ah, c'est bon, on est deux. Et là, ça passe plus vite. Merci! Et là, je peux semer. Ah, il faut me dire S. Allez, on sème. Comme ça, on aura des baies. On pourra manger. On pourra avoir des baies tout le temps. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Après, il faudra arroser. Ok. Arroser, let's go. Toujours aussi long. Mais ça, c'est le jeu où tu vas, où je vais perdre trop de temps sur ce jeu. Je vais commencer une partie, je vais le finir au bout à 6h. 6h30 après. Ah, c'est trop ça. Aïe 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 aïe. Mais sinon, le jeu, ouais, il est très très cool. Allez, on a bientôt fini l'arrosage. Après, c'est la croissance qui va se faire tout seul, je suppose. C'est ça. Là, on est en termes de croissance, donc faut attendre. Je vais dormir. Parce que bah voilà quoi. Hop, parce que j'en ai marre de la nuit. Ça fera du bien à notre petit personnage. Ah, non, c'est alors, je sais, la boîte à nourriture, ça va être pour les pâles. Et donc ils ont tout bouffé, ces cons. Donc je vais récupérer ça. Ça, ils arrêteront de bouffer les trucs. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Déployer des pales actives sur le ce truc. Il en faut 4. Ok. V. Non, c'est pas V, c'est F. Hop. Celui-là, il devient actif.
J'ai quand même de me créer un arc et des flèches au moins. Je ne peux pas. Il me manque des pierres, il me faut des pierres. Mais j'ai encore marché dans le feu, mais que je suis con! Oh là là, mais quel con, il a marché dans le feu! C'est mon pote celui-là, ouais, c'est mon pote. Link, il est con, il marche dans le feu. Oh, de la pierre à casser, s'il vous plaît. Pas casser cette pierre. Non. Parce que je veux récolter des pierres quand même un moment. Attends, on va attendre que ma barre recharge. Voilà. Et on récupère les pierres et du palladium. Parce que c'est ce qu'il faut. Il me faut aussi d'autres moutons. Il me manque 4 moutons à attraper. Attrapez-les tous, Pokémon. Un petit minerai de métal gratos, ça c'est cool. Parce qu'elle met le poulet. Tiens, je vais le taper, je vais l'attraper, il va voir. Ah, je peux pas l'attraper, j'ai pas de Pokéball. Oh merde, mon arme est cassée. Super. Il manquait plus que ça. Bon bah. Partons d'ici. Retournons au camp. C'est bien que mon camp il soit haut comme ça je peux le retrouver. Ouais, ça a eu le temps de tout casser. Ouais, non. Ah, il y a une porte là-bas. J'avais pas vu. Est-ce qu'on peut y aller? Alors, d'avoir un truc stylé. Ramasser. J'ai obtenu des mémoires d'un autre aventurier, découvre son périple depuis l'écran des options. Quoi? Mais c'est trop bien, il y a des trucs à récupérer comme ça. Il y a des trucs cachés dans la carte, mais c'est trop bien. Best jeu ever. Je peux pas voir la carte. Je sais pas comment on a la carte. C'est comme ça, ok. Donc là, on a un point plateau original. Le camp. Ok. Et il y a plein d'autres trucs, voilà. Il y a des petites îles, ok. Et attendez, dans les menus options, vous allez me dire? Note. Oh, note d'un naufragé jour 2. Pendant une de mes expéditions, j'ai trouvé cette sphère émanant une lumière bleutée. Je l'ai alors jetée instinctivement et savoir qu'une créature à proximité s'est fait aspirer à l'intérieur d'un flash. Quand j'ai ramassé la sphère, la créature est réapparue à mon grand étonnement pour me fixer la ravie. Plus tard, il est même venu m'aider à aménager une cabane pour me protéger de la pluie. C'est une vraie aubaine. J'ai alors décidé de la baptiser Pal, en référence au mot anglais pour copain. C'est donc tout naturellement que j'ai fini par nommer cette île Palpagos. D'accord, ok. Alors, un truc que je veux savoir, c'est est-ce que le jeu, la génération du jeu est aléatoire? Hop là, j'ai réparé ma pioche. Et on va créer des Parles. On peut en faire 9. On va en faire 5. Il va y aller pour casser pour le truc, ça c'est bien. Qu'il me faut un quatrième lit. Et vu que je vais amener un quatrième Pals, vu qu'il faut que j'ai 4 Pals actifs. Hop. Travailler! Comment ça, les baies, ça finit? Elles étaient mortes, les baies? Ah, j'ai faim! Il faut que je mange! C'est long. Faudrait que j'arrive à trouver un Pokémon qui puisse semer. Comme ça. Oula, désolé. Comme ça, il gère les plantations. Parce que là, l'arrosage et tout, waouh, c'est long. Ça met bien peut-être une petite minute. Donc ouais. Faudrait que je trouve ça.
Ou ça, je sais pas, mais il faudrait que je le trouve. Allez, on a bientôt terminé. Allez, let's go. Maintenant, croissance, et après, il y a la récolte. Ah, mais regardez, j'avais pas vu, mais il y a la petite barre qui se charge tout seul dans le croissance. Là, au-dessus du B. Et je pense qu'elles avaient péri. Enfin, elles avaient pourri. Ok, donc on va manger en attendant, quand même. Voilà, hop, la faim est à 100%. Renforcement de statut. Ah, on peut augmenter notre attaque. L'endurance, ouais, les PV. Et la vitesse du travail ou le poids? La vitesse de travail. Hop. Je sais pas comment ça se fait, mais ok. C'est cool ça, c'est très cool. Je sais pas comment ça se faisait que je pouvais faire ça. Allez. Let's go. On a bientôt terminé. Allez, on est au trois quarts. Let's go, let's go, let's go. J'espère que vous aimez ce jeu. Parce que moi, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est très cool. Très très cool. Hop là! Et voilà, on peut les. Ah, mais c'est parce que mes potes les récoltent tout seuls. Et ils vont le récupérer. C'est ça, d'accord. Ok, j'ai même pas besoin de récolter. Ça, il les récolte à ma place. Oh là 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 là. C'est pour ça. C'est un pote lui ou c'est un ennemi? C'est un pote. Faut trouver d'autres Pokémon à attaquer là. Récolte en cours. Ah mais faut que je récupère aussi mes Pokéballs. Je suis con. Je récupère mes Pokéballs. Hop. On va aller attraper des Pokémon. Parce que c'est quand même. Non, on marche pas dans le feu. Putain, il a marché dans le feu. Oh. Allez, Palladium, Palladium. 3. Bah, ça n'existe plus. Bon, où est-ce qu'il y a des Pokémon? Je veux aller chercher des Pokémon. Vas-y. Petit poulet. J'en ai marre des poulets. Moi, je veux autre chose que des poulets. Moi, je veux les moutons. Parce que mon but, c'est d'attraper 5 moutons. J'en ai qu'un pour l'instant. Donc ouais, SVP les moutons, venez. Là-bas, il y a un mouton. Ça, en plus, on explore un peu le pays. Oh, il y a une Pokéball. Il y a une sphère de pâle, ça m'en fait une de plus, let's go. Alors, il y a où le mouton? J'en ai vu un. Il y a même deux, là. Il y a même des... Des paladins. Tiens! Non, je l'ai tué! Quel débilos! Je vais jamais attraper 26-29%. Bah oui. Il est pas assez. Dégage. 100% de chance, let's go. J'ai un nouveau Pokémon. Ah oui, c'est celui qui est dead. On peut même le pousser et tout. Ah, vu que je suis ici, on va en récolter. Enfin,
va récolter de la pierre, on va en profiter pour récolter de la pierre. Faites monter le camp jusqu'au niveau 7 pour ensuite l'agrandir, ok. Ah, je tape dans le vide maintenant. Pas d'autres moutmout. Baie rouge, on prend. Graines de baie, trop bien. Est-ce qu'il y a des Pokémon Il y a des Pokémon sous-marins. Oh, le bruit de l'eau, on dirait qu'on est en train de pisser. C'est quoi ça? Ramasser. Récolte de statue à tirer une statue de puissance pour accroître. D'accord. Ça va accroître les chances de capturer les Palz. Allez, tiens! Non, ta gueule! Dernier coup. 95%. Let's go! 3. Tac. Oh, je suis à 5 sur 6 pour les moutons. À 4 sur 5, n'importe quoi. 4 sur 5 moutons. Et ma truc, elle est là-haut. Pas trop que je m'éloigne quand même. Allez, le dernier. Comme ça, j'aurai fini cette punition. D'attraper les lamballes. Voilà. Optimise ton médicament et ton équipe de Pax avant de défier le boss de la tour du syndicat de Rain. Quoi? Comment ça? On va essayer de remonter maintenant. Ah, je suis dans mon camp. Mon camp, il va jusqu'à là. Ah ouais. Là, je suis dans mon camp. J'ai vu qu'on pouvait craft des escaliers, donc je pense que je vais craft un peu des escaliers. C'est mon pote, ouais. C'est mon pote. C'est mon poteau, le Lambeil. On va mettre un nouveau Pokémon aussi. Les autres, on va les mettre dans la... là-dedans, pour l'instant. Et si je fais V-tâche? Oh là là là. Hop là, construire établi de I pour équipement de Palz. Le problème, c'est que je pense que je dois aller faire une technologie de ça. Ah oui, il faut que j'augmente de niveau. Bouclier normal. Vas-y, on va se faire un bouclier. On va voir ce que c'est le bouclier. Enfin, on sait ce que c'est un bouclier, mais on va se le construire. Il y a un Palz qui veut bien travailler à ma place, ouais. Merde. Ça, il met du temps. Ça met du temps. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire comme technologie? Bah la lance, vas-y. Vêtements. Ah, let's go, vas-y. La sonnette. On va faire ding-dong comme ça. Ça, c'est cool. Ferme. Et donc mon but, c'est d'aller là, ok. Pour ensuite faire établi pour équipement pour pal. Oh là là. Piège suspendu. De rien du tout, je suis à sec. J'ai un mur que je peux monter là, trop bien. Ça mène, ah mais c'est, ça mène ici, ok, de là où je viens quoi. Est-ce qu'on peut attaquer les
Crime en cours, merde! Ah! Ah, je l'ai pas fait exprès! Je voulais voir si on pouvait taper les gens! Pas fait exprès! Le mec il fait nawak! Est-ce que je peux lui reparler ou il va m'attaquer? Parler! La priorité d'avoir un tableau de fortune sous le coude. Merci. Bon, ça va, elle est pas. Elle m'en veut pas trop trop, ça va. Let's go. Hop, nouveau Pokémon de capturer. Bon, maintenant on a une musique assez épique qui s'est lancée alors que voilà, y a rien. Il m'a fini de me construire mes trucs que je lui ai demandé de construire. J'espère. Je suis même plus. Ah, c'est le bouclier. Il a terminé. Fais du tissu. Fais genre 3 de tissu. Et maintenant j'ai un bouclier. Il est où? Ah bah il est direct mis, ok. Ah ok, c'est automatique le bouclier. Ah oui d'accord, j'ai mon truc. D'accord, j'ai la barre de bouclier qui s'est activée en haut, en bas. Ok. Putain, maintenant j'ai une musique stylée alors que voilà quoi. Tant pis. Oui, oui. Mais quand même d'aller voir la structure. Voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Ok, on peut s'accroupir. Je peux faire de nouvelles constructions. Protection. La fameuse sonnette d'alarme. Sauf qu'il me faut des éclats de palladium. Bon, la musique, elle peut pas s'arrêter là. Hein? C'est bon, elle s'est arrêtée. C'est au moment où je demande qu'elle s'arrête, elle s'arrête. Oh, le jeu m'écoute. De quoi par là? Vers une arène et tout. C'est bizarre. Alors, on visite. Peut-être qu'on va tomber sur un truc magnifique. Ou rien du tout, que dalle. Il y a un coffre. Mais non. J'ai bien fait de venir ici, il y a un coffre. Oh là là. Pièce d'or, sphère de spal, clé en bronze. What the fuck. J'ai découvert un coffre secret. Trop bien. Comme quoi, des moments explorés, ça aide. Il y a une pierre là-bas, je vais la récupérer. Ah ouais, je vais en profiter. Hop. Je vais même en profiter pour récupérer du bois. Ah bah oui. Oh, le jeu est trop trop cool. Alors pour l'instant on n'a pas de flingue. On est loin d'avoir des flingues, mais les Pokémon peuvent avoir des flingues. On a 44 de bois. Ouais, on va détruire un autre arbre. Parce que je remarque que la pierre et le truc, c'est important quand même. La pierre et le bois, c'est très important. Le problème, c'est que là, j'ai plus de place dans mon inventaire. Y a un truc là? Non, y a rien. Ah, y a plus rien. Et si je descends, faudra que je remonte et la flemme. Bon, on va retourner au camp. Voilà. Mais alors, les gens ils savent pas conduire. Ils se klaxonnent entre eux et tout. J'espère que vous l'entendez pas le mec qui klaxonne. Pourquoi ça klaxonne? Qui est bloqué là, dans ma rue? Les gens ils sont bloqués dans ma rue.
Donc c'est pour ça que ça klaxonne, j'espère que vous l'entendez pas. Pouet pouet! Ouais, avec ma torche, je sais. C'est normal. Y a des trucs là cachés? Maintenant que je sais qu'il peut y avoir des coffres cachés. En vrai, ça manque d'une petite musique d'ambiance. Parce qu'on a eu la petite musique de combat tout à l'heure. Mais il manque un petit truc d'ambiance, quoi. Petite musique chill ou un truc comme ça. Y'a quoi là-haut? Ah, mais j'ai encore la musique du combat pour cette zone, d'accord. Ok. Enfin, si c'est la musique du combat ou alors c'est une musique d'ambiance, comme j'ai dit. I don't know. Ok, on est de retour à la casse-bas. Un peu de rangement, la laine. Et j'ai plus de place. On peut pas améliorer le. Merde! Je voulais pas faire ça. Ça en met, ça en met. Ça en met. Voilà. Tout le reste, après, on va garder. Voilà, hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, je peux mettre l'établi pour pâle. Bah faisons-le, hop. Ça, on va le construire. Ah, il manque des éclats de palladium. Faut des éclats de palladium. Super. Je vais avoir froid maintenant. Je vois plus rien le jeu. Allez, éclats de palladium, vas-y. À 5, on va continuer à en récupérer. Là, bah, il y a des tours. J'ai pas trop envie d'y aller tout de suite au tour. Allez. Hop, ça remonte la barre. On a plus grand chose, on est d'accord. Je vais remettre de la torche pour que vous voyez quelque chose. Ouais. Voilà. Désolé, je suis un peu fatigué. Donc c'est pour ça que je baille beaucoup. Hop. Est-ce que maintenant je peux construire l'établi machin là? J'ai envie de dire, je pense que je vais me faire un escalier pour que je puisse monter. Je vais me faire ça, je pense déjà. Et donc avant, faut que je détruise un truc. Alors l'escalier, je le mets derrière. Je le mets genre là, l'escalier. Voilà. Ça je pète. Ça je le pète. Et ensuite, je mets des murs. Ouais, je me fais une espèce de petite tour. C'est bien, non?
Et là, je mets une porte. Hop. Et déjà, on va recréer l'endroit où on aura le prochain escalier. Comme ça, il sera à l'intérieur. On va mettre le prochain escalier ici. Et là, je mets du toit. Et voilà. Et comme ça, après, je pourrais passer dans le prochain étage. Comme ça. Hop là. Et donc là, maintenant, je vais construire mon établi à Pals qu'on va poser là. Voilà. Je vais ouvrir la porte. Et on va aller dormir. Comme ça, ça fera passer la nuit. Pourquoi ça a pété là? Pourquoi j'ai plus de mur? Chevauche un autre objet, merde! Oh bah tant pis, on va dormir comme ça, avec un truc ouvert. Merde, j'ai... Pourquoi je peux pas... Je peux pas dormir? Ah mais oui, parce qu'il me manque un mur. Merde! Oh. Non, j'ai un mur. Et là, je peux dormir. Pourquoi? Pourquoi je peux pas dormir? Parce que je suis encore en combat, c'est ça? Le jeu considère que je suis en combat. On va construire ça en attendant. Tant pis. Donc ouais, en m'attaquant aux soldats tout à l'heure, j'ai fait bugger le jeu. Il croit que je suis toujours en combat. Donc je peux plus dormir. Super. Donc je vais devoir tuer le soldat ou que le soldat me tue. Oh. Allez, il reste 3 secondes. Let's go. Alors vous savez quoi? J'ai vu que dans le menu principal, il y a un bouton. Mourir pour réapparaître. J'ai plus de musique. C'est fini? Je peux aller dormir maintenant? Non. Bah, je me suicide. Comme ça, on voit la mort en même temps. Défaite! Allez, une seconde de résurrection. Voilà, ressuscité, hop. Bah, je vais ressusciter ici. Oui. On peut ressusciter à d'autres endroits, d'accord. Et comme ça, hop. Ah, ils nous mettent un halo de là où on est mort. C'est cool. Ah, et d'autres gens peuvent récupérer nos objets. Ah, mais je suis encore en combat, je peux toujours pas dormir. Protection cassée. Oh non, mon bouclier est cassé. Ah, j'ai plus de poil du homme. Je peux toujours pas dormir. Bon bah super, j'ai fait bugger le jeu. On aime ça. Je vais faire V. Hop. Construire écloserie. Construire concasseur. Écloserie, elle est là, et concasseur, je sais pas où il est. Il est là, ok. Qu'est-ce que je peux... Je vais me faire un vêtement. Je vais me faire des vêtements. Parce que comme ça, j'aurai plus froid. Ah, il me faut du tissu, il m'en manque un. Hop. Enfin, je vais le faire moi-même parce que, voilà, l'autre il veut pas m'aider. Ah bah si, il arrive. Merci. Et maintenant, on peut faire le vêtement. On serait à ma place. Vas-y, on va y aller à deux, ça va aller plus vite. Hop!
Et là... Oh là là! Voilà, maintenant j'ai plus froid. On va quand même récupérer du palladium. Merde, je suis encore remonté dans le feu. Mais j'en ai marre de ce feu. Ça, je pourrais remettre ma... Ok. Ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous taper, vous. S'il vous plaît, j'ai besoin de palladium, merci. Parce que j'ai envie de récupérer ma protection. Bon, on voit que le jeu est encore en early access parce que j'ai quand même le bug du combat là. Ouais, j'aurais jamais dû l'attaquer, je sais, mais c'est comme ça. C'était plus fort que moi, je voulais voir si on pouvait taper les PNJ. Donc on a totalement pété ce truc. Je vais avoir la musique ou c'est bon? Ça a l'air d'être bon. Ah non, la musique est de retour. Est-ce qu'il... Oh, il y a du bois. Bois de charpente 4. Est-ce que maintenant je peux réparer? Yes. Hop. Récupérer du bouclier. Bon, on va, vous savez quoi, on va s'attaquer au PNJ que j'ai essayé d'attaquer, et puis voilà. Vous voulez que je fasse quoi d'autre? Il y a une arme, donc le problème c'est que. Voilà, je l'ai tué. C'est bon. On peut arrêter la musique. Elle s'en foutait, elle était pas là. Ouais, j'ai tué. Oh, ils ont du ragdoll. Trop bien. C'est-à-dire que je peux l'amener au camp. Voilà, premier cadavre. Le premier tué. Et maintenant, je peux dormir. C'est bon, il n'y a plus la musique. Désolé, c'était plus fort que moi. Et maintenant, je peux dormir. Oh là là. C'est bon, c'était ça le bug. Ah, c'est dommage qu'il y ait ce bug. Pourquoi il chie des... Il chie des... Tant pis, on s'en fout. Voyons voir. Technologie. Faire un piège suspendu. Ferme. Oh! Oh, ça c'est bien. Il me faut beaucoup de bois. J'ai besoin de beaucoup de bois actuellement. Parce que si je pouvais me créer une ferme, ça serait trop bien. Troupeau de pâles sauvages mangeurs d'hommes. Quoi? Merde, j'ai grappé. Non, pas ça. Mais quoi? Mais je suis pas prêt, moi. Je suis pas prêt face à ça. Je vais mourir. Ils vont détruire mon camp et c'est fini. Niveau 6. Bah vas-y, Pokémon, attaque. Il m'a détruit ma protection, l'enfoiré. Ok, un de moins. Ouais, toi, si je peux essayer d'en récupérer quelques-uns, ça pourrait être bien. Je me dis.
Vas-y, récupère-le. Si je peux le récupérer, ce serait trop bien. Oh, 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 oh. Let's go! J'ai un nouveau Pokémon! Et je suis empoisonné. Au secours, je suis empoisonné. Help me. Bon, bah, on a réussi à... à gérer le raid. On est bien. Trop bien. C'était stylé. Et mes Pokémon, ils sont tous vivants. Blessure légère. Juste un Pokémon avec une blessure légère, c'est tout. Mais c'est trop bien. Oh là là. C'est bon, tout est bon. Qu'est-ce qu'il répare? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais... Ah non, ils vont récupérer des trucs, ok. Ok, ils font leur, leur boulot, quoi. Trop bien. Et bah vraiment, c'était épique, cette... ce raid. The Pokémon. Ça, on a réussi à survivre et j'en ai même récupéré un. C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas où? Ça va? Ça va, mec? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Mais calme-toi! Mais mec, calme-toi! Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Bon, reviens ici. Tu casses les couilles. Merde, j'ai faim! Faudrait que je mange. Ah, j'ai aucun truc pour les pales. Super. Ce serait bien de manger, ouais. On est d'accord. Si je donne à manger à lui, ça lui augmente pas de points de vie, ok. Merde, j'ai plus de... J'ai plus rien. Plus rien. Player 764. Pourquoi Player 764? Oh, je peux me faire des brochettes. Vas-y. Hop. Allez, let's go. On tape ça. Vas-y, je vais me mettre ma sonnette. Je vais me faire ma sonnette. Parce que voilà quoi. J'ai pas envie de. S'il y a des raids comme ça, ça fera ding 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 ding. MDR. Dans protection. Non, enlève ça s'il te plaît. Je vais mettre ma sonnette genre là. Je mets la sonnette d'alarme là. Regardez, il y a trois pales qui vont m'aider à faire ça. Ils vont m'aider, mais... Attaque des intrus modifiés. Vas-y, concentration sur le travail, s'il vous plaît. Ma bouffe, elle a été faite ou pas du tout? Pas du tout, c'est à moi de les faire. Ah, mais ça fait tout seul! Regardez, si je laisse au feu, ça fait tout seul. D'accord, ok. Ok, ok, ça fait tout seul. D'accord. C'est bon à savoir. Voilà, on a fait ça. Si on peut mettre un petit piège, ça peut être sympa. Genre... genre là-bas. Comme ça, s'il y a un petit pal qui arrive, paf! Je le tue. Enfin, je le capture. On va le mettre là. Ah, c'est automatique, il n'y a pas de... Et là, comme ça, le pal va arriver. Paf! Et capturation. Capturation, mais ça veut rien dire. La ferme. Ah oui, ça, il me faut plein de trucs. Voilà, 20 pierres, 30 textiles, 50 bois. Oh! Bon, bah, let's go pour couper du bois, pour farmer du bois. Let's go. C'est parti.
Hop. Ah, les textiles, c'est vrai qu'on les récupère dans les arbres. Oh non! J'ai ma hache cassée. Bon, on va la réparer. Vous voulez que je vous dise quoi? Parce qu'on peut faire une ferme. Ça peut être trop bien. Surtout que j'ai deux moutons. Et un poulet. Donc, ouais. Si je peux me faire une ferme. Je dis pas non. Ah oui. Bon, j'ai toujours 30 Pokémon à capturer. Allez, let's go, on continue de casser tout ça. Pour récupérer plein de ressources. J'entends des poulets de partout alors qu'il n'y a rien. Faut m'expliquer là. En plus, je vais peut-être aussi récupérer du palladium en même temps. Mais non! Putain, l'aller-retour. La hache s'est cassée. Ta gueule, le poulet, arrête de te moquer, c'est pas bien. C'est pas gentil de se moquer, vous, tu sais. Oula. Allez. Tac. On répare. La pioche, voilà, super. Et on est reparti. Oh là là là. On va casser cette pierre déjà. Let's go! On fait du minage pour récupérer plein de ressources. Oh, du palladium! Tu portes trop d'objets. Ah merde! Oh! Il y a toujours un truc qui va pas là, le jeu. Merde! Merde! Ah, je peux renforcer le statut. On va augmenter le poids, les PV, l'attaque. Ah non, je peux en mettre qu'un point, merde. On va tout mettre dans le coffre, tant pis. Le ce qui arrive. Oh, j'ai une clé d'argent. Et deux clés. Oh là là là. Hop. Le cuir. Puis bah tout ça reste avec moi. Non, ça va pas rester avec moi, ça va là. Puis voilà quoi. Palladium, on va le garder avec nous et les graines de baie. On va le garder là aussi. Encore de la nourriture ou ils ont plus rien eux? Oh, ils ont encore 11 B, ça va. Et lui, ça cuit tranquillement, le kebab. Le kebab, tu cuis tranquillement. Bon, on va laisser faire tout ça. En ce temps-là, on va continuer à récolter des ressources. Encore un éclat de palladium, trop bien. Oh, du minerai de métal. Ouais, ça manque vraiment d'une petite ambiance musicale quand même, je pense. Je trouve. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi je trouve que ça manque d'une petite ambiance musicale. Après, comme je vous ai dit, c'est qu'une early access. Donc voilà, le jeu, au fur et à mesure du temps, va avoir des mises à jour et s'améliorer quoi. Voilà. Il me faut plein de bois, il me faut plein de bois. J'ai besoin de bois, j'ai besoin de bois, messieurs, dames, j'ai besoin de bois. Hop! Comme ça, je peux créer la ferme. Un dernier arbre pour la route. J'ai vu qu'il me faut du textile. Oh, je suis déjà plein.
suis déjà plein. Bon, après, ça va, quand on est plein, on n'est pas trop. On marche pas à 2 km/h, quoi, comme dans tous les jeux Bethesda et tout le bazar. Ou pas. Ah, je peux plus avancer. Ah! Je peux plus avancer. Bon, bah, j'ai dit de la merde. Faut en jeter une vingtaine. Devrait être bon, ouais, c'est bon. On va les récupérer après. C'est bien, je suis déjà vide. Bon, au final, quand tu portes trop de trucs, tu peux plus avancer. Comme ça, c'est réglé. Ah! Je vais bientôt devoir faire un deuxième coffre. Ah, mais je peux peut-être me faire la ferme. Je me dis. On va essayer. Hop. Est-ce que je peux me créer ma ferme ou alors j'ai pas encore assez? Oh, je peux la faire! Let's go! Bon, on va faire là la ferme. Ici, hop. 3 minutes 30! Oh putain! Qu'est-ce que je peux faire d'autre en attendant? C'est vrai qu'il y a le Pydesk. Oh, les bruits! C'est les bruits des Pokémon! Écoutez ça! Type ténèbres! Oh, j'ai un Pokémon ténèbres! J'aurais trop aimé récupérer ce Pokémon. Ah, et ça, c'est les 3 premiers Pokémon du jeu. Allez, continuons à farmer un peu en attendant que la ferme se ferme, se fasse. Oh là, que la ferme se ferme. Bravo, Link. Hop. Je pense que je vais passer toute ma soirée et toutes mes vacances sur ce jeu. Parce que là, on peut zoomer et tout ça, je pense, c'est qu'on va tirer au fusil et tout. Allez, on va finir ce filon de pierre. Au moins. Bon, on farm, on farm, on farm. C'est du Minecraft. On joue à Minecraft. On joue à Minecraft avec des Pokémon. Ok. Ah, je vais pas te faire. Ah, je suis piti piki. Oh. Bah non, je voulais pas. Reviens ici, s'il te plaît. Ils ont fini avec la ferme. Oh, ils ont fini avec la ferme. Yeah. Trop bien. Vous avez vu votre nouvelle ferme, les gars? Elle est bien, non? Ah, le poulet est content. Vous avez vu ça, le poulet, il est arrivé en courant, il est content. Là, il aura la faim, lui. Bah, va manger, c'est ta faim. Ah, et donc là, ils sont en train de faire du pâturage. Pâturage en cours. Pâturage en cours. Comportement destructeur. Comment ça? Il est insolent. MDR. Et j'ai trouvé de la laine. Vas-y voir les technologies. Il manque deux. Ah, je peux faire le parachute. Je peux pas. Il faut un point flèche enflammée. Ensemble de meubles pour. Meubles de décoration. Genre des flèches enflammées. J'ai pas d'organe d'allumage donc ça sert à rien, on va prendre ça. Vas-y. Est-ce que je peux me faire? L'arc. Ah bah vas-y. Faisons l'arc. Faisons l'arc. Va tester l'arc comme ça. Hop! On prend l'arc. Je vais me faire aussi encore des 5. Hop.
Tac. Et bah des flèches. Je m'en fais R10. Voilà. Hop là, let's go, faisons les flèches. Ah, mon kebab, il doit être fini d'être cuit, non? Je sais pas. Suis en train d'augmenter en faisant ça les l'XP de mes Pokémon. Et mon XP à moi de niveau machin. Oh, il est content. Parce qu'on a travaillé ensemble. Et donc maintenant j'ai un arc. J'ai un arc et des flèches. On va mettre ça à la place de ça, voilà. Donc comment se joue l'arc? Je vise et je tire, d'accord. Oh là 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 là. Trop bien. Donc maintenant... Bah vous savez quoi? Oh, il y a des œufs! Il y a des œufs! Il y a un œuf! C'est grâce au poulet! Oh, regardez toute la laine et tous les trucs là qu'ils nous ont mis! Oh là là! C'est trop bien! Trop trop bien! Vas-y, on va essayer de capturer un autre Pokémon. Deux, trois autres Pokémon et ensuite on s'arrêtera là. S'il y en a. Les Pokémon, vous êtes où? J'ai besoin de vous. Vas-y, on va essayer de faire du tir à l'arc aussi. Hop! On va se mettre accroupi. Et... Oh! Tiens, viens ici, le petit poulet. Let's go, capture. Il y en a d'autres où c'est fini? Oula, ça a pas l'air d'être très commode là-bas. On l'a esquivé, enfoiré! Viens ici. Il a esquivé ma première tentative. Let's go! Point, 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 point. J'aime beaucoup la musique quand tu récupères un Pokémon. Allez, du Pygium, c'est très bien. Je prends, je dis pas non. Ah, mais je suis passé niveau 7, donc j'ai de nouvelles technologies à apprendre. Et genre, je peux apprendre les closeries. 5 tissus, 10, 30 pierres. Ok. Oui. Et je vais faire le parachute. Oui. Et là, il me manque un point pour les flèches enflammées, si je veux, ou une pancarte, ou une batte. Oh, on va faire les flèches enflammées, voilà. Donc là, il me faut du tissu, 5 de tissu. Vas-y, on va essayer d'en faire. 5 de tissu. Va essayer de se faire écloserie au moins, comme ça l'œuf que j'ai, je pourrais me faire éclore. Parce que j'ai un œuf. Je sais plus où je vais le trouver, mais j'ai un œuf. Donc il me faut 5 de tissu. Tac. Oula, désolé. J'ai failli me casser la gueule sur ma chaise. Et voilà, j'ai les 5 tissus. Qu'est-ce qui me manque pour faire l'écloserie? Bah rien du tout. Je peux la faire. Bon, on va faire l'écloserie, let's go. Est-ce qu'on peut la mettre en haut? On va la mettre en haut, je pense. On va la mettre là. Let's go, on va faire l'écloserie. Le mouton va aller m'aider s'il arrive. S'il sait monter. A pas l'air de pouvoir monter. Tant pis, on va le faire tout seul. Poink. 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 Allez, on y est presque. Let's go! Yeah! On a l'écloserie.
Classer un œuf. Est-ce que je peux mettre ces œufs-là? Non. Donc l'œuf qu'il faut que je mette, il faut que je le trouve en bas. Parce que j'en ai un dans mon coffre. Oh, ils dorment tous. J'ai un œuf dans mon coffre, il est là. Hop, on va aller le faire éclore. On va dormir. Ensuite, on va voir combien de temps, dans combien de temps il éclore. Il éclot. Minutes 30! Il fait un peu petit peu froid. Faut que je mette un feu de camp. Vas-y, si on mettait un feu de camp ici. Quoi? Paramètres de sécurité. Ah, on peut mettre des mots de passe sur les portes, ok. Est-ce que je peux me faire un petit feu de camp ici? Comme ça, il fera plus froid et l'œuf va bien éclore. Voilà, c'est très confortable. Bah voilà, on va faire un truc comme ça, je pense, maintenant. C'est bon, le kebab? Oh, le kebab, il est prêt. Je vais pouvoir manger du kebab. Merde! J'ai pris feu! Comme d'habitude! Fais chier. Le kebab. Oh, ça nourrit bien. Et là, on finit avec des petites... Et hop, on dort. Rompiche. Est-ce que le temps... passe en temps réel du jeu ou en temps réel du réel de nous. Là, si je vais en haut, est-ce que le temps est fini ou je... Ou il faut encore que j'attende? Non, c'est vraiment le temps du jeu. Il fait un tout petit peu chaud. Ah, il fait trop chaud maintenant. Veux que tu tapes le feu. Voilà. Ah, j'avais pas vu que j'avais plus d'endurance. Allez, on y est presque. C'est très confortable. Voilà, 3 minutes 15. C'est quoi, on va attendre la fin de l'éclosion. Toujours aucune recette pour ça. On va voir le parachute. Est-ce que je peux me faire le parachute? Voir tester ensuite le parachute. Il me manque quoi? Il me manque du tissu. Il me faut deux de tissu. Bah, let's go. Oh, j'ai plus assez de laine. Oh non. Faut que je vais aller à la ferme récupérer la laine. S'il y en a. Il y en a. Œuf, et il n'y a que d'une laine. Bah, les moutons travaillaient mieux, merde! Travaille pas assez. Bah, tant pis, on va pas pouvoir voir comment on... Je répare, j'en profite pour réparer mes objets. Voilà. Les gars, vous avez de la laine ou que dalle? Non mais travaillez un peu les gars! Je ne paye pas pour rien faire. Ah bah tiens, de la laine. Il me l'a donné, il a fait tiens, tu te plains, tiens, ta laine. Parce que j'ai envie de tester le parachute quand même. Avant la fin de la vidéo. Hop! Et maintenant le parachute. Oh, c'est long. C'est long, c'est long. Ouais, j'ai le parachute. Espace pendant un saut pour planer. Oh, trop bien! Attention, attention, attention! Ah, mais ça use l'endurance, merde! Oups! Ça use l'endurance. Bon à savoir. Note à moi-même.
du Palladium. Le parachute use l'endurance. Hop, hop. Ah, je récupère des trucs en attendant. Parce que j'ai envie de voir la fin de l'éclosion quand même. Comme ça, on finit cette. Ce. Merde! Ah non, c'est bon, je croyais que je m'étais trompé de bouton et que j'avais fait le. Et que j'avais. Que j'avais mis une Pokéball. Mais ça va. Ouais, j'ai envie de voir le Pokémon que je vais faire éclore. Quand même, j'ai envie. Ça pourrait être hyper sympa. Allez, on y est bientôt, je pense, à la fin de ce truc. Bon, on va s'arrêter là pour casser ce rocher. On peut repartir d'ici. Alors? Alors, le jeu? Bah, monsieur! Voilà, merci. Faut s'agripper à des moments. Oh, yeah. Yeah. Oh, le bruit qu'il fait. Oh là, il y a des petits bugs de collision quand même à des moments. Après, c'est que le début du c'est le lancement du jeu, donc c'est normal. C'est une early access, je vous la rappelle. Donc à tout moment, le jeu sortira mieux peut-être dans 1 ou 2 ans. Allez, combien de temps l'éclosion? Oh, il a terminé. Attention. Incubé l'œuf. Merde, faut maintenir. Oh. Surfant. J'ai un surfant. Trop bien. J'ai gagné un surfant. Oh là là là. Mais construction. Qu'est-ce que je peux construire de nouveau? Mobilier. Ah, c'est le mobilier que j'ai gagné. J'ai eu le droit à un surfant, niveau 1. Voilà. Si je vais mettre 2 moutons encore, vu que je peux mettre encore des trucs. Hop. Merde, il me faut des lits. J'ai pas assez de lits. Il manque 2 lits. 1. Oh, il manque du bois. Bon, bah, tant pis. Il y a plus de nourriture? Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de nourriture? Il y a des œufs. Vous pouvez manger des œufs, non? Vous savez quoi? On va les cuire. On va faire cuire les œufs. Et vous savez quoi? On va s'arrêter là pour le live. Moi, je trouve le jeu très cool. Je sais pas vous, mais moi, le jeu, je trouve très très cool. Donc voilà. Donc bah, c'était Link. Moi, je vais continuer ma partie tranquillement de mon côté. Le jeu est vraiment très cool. Lier les monstres Pokémon un peu avec de la survie et tout. Je trouve ça très très cool, crafting et tout. Ouais, c'est très très cool. Je sais pas combien de temps depuis combien de temps je dis cool, mais c'était cool. J'espère que ce live vous a plu. On se retrouvera. Oui, pour tout vous dire, comme je suis en vacances, les lives seront totalement aléatoires la semaine prochaine. Voilà, je liverai quand j'ai envie. Le temps que j'ai envie, voilà. Il n'y aura pas de 15h, 17h. Si je dois faire 2 heures de live, je ferai 2 heures. Si je dois faire 5 heures de live, j'en ferai 5. Voilà. Peut-être ce week-end, il y aura aussi un live. Si ce week-end, je live, ça sera sur un truc un peu nouveau, voilà. On reprendra la suite de Sleeping Dogs à partir de la semaine prochaine, voilà, en live. Voilà, donc followez la chaîne Twitch si vous voulez pas rater les prochains lives. Me suivre sur Twitch, Twitter. Ouais, Twitch, voilà, je vous l'ai dit. Twitter, Discord, YouTube. Tout est en barre d'informations de Twitch. Et nous, on se dit bah, peut-être à demain ou peut-être à la semaine prochaine pour un prochain live. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ce jeu me plaît beaucoup. Et j'espère que ce live vous a plu. C'était Link. À bientôt tout le monde. Bye bye, bisous. Bisous électronique bizarre Earth. Allez, bye bye.